Donc voilà, on vous fait une petite démonstration des nouvelles machines arrivées tout juste hier, donc au Fitness Club 110 Gazo. Donc là, on a l'escalator, donc comme on peut le voir, pour le travail des cuisses, des mollets, du cardio bien évidemment, c'est top. On peut régler directement via l'écran tactile la vitesse de marche. Super. On a également reçu, donc évidemment, un nouvel airbike. Un magnifique airbike jaune qui vient compléter le rouge qu'on avait déjà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le airbike, c'est un peu un mélange entre un vélo et un elliptique. On va bouger à la fois les bras, les jambes. Et un peu comme sur un rameur, plus je vais mettre de la vitesse et plus je vais créer de la résistance. Au niveau du cardio, ça envoie. Hein. Tu confirmes. Ensuite, on a le vario elliptique. Donc l'avantage du vario elliptique, c'est qu'on va pouvoir en fin de compte, comme son nom l'indique, varier au niveau donc du mouvement, au niveau de l'amplitude. On peut faire, comme on peut le voir, soit de très grands mouvements qui va se rapprocher, le mouvement qui va se rapprocher de l'elliptique, ou bien au contraire, on va resserrer donc les mouvements de manière à se rapprocher du stepper. Voilà, donc on peut varier petite ou grande foulée. On a reçu également, pour ceux qui ne connaissent pas, la machine à hip thrust, donc la machine qui prend pas beaucoup de place mais qui sert à beaucoup de choses, parce qu'on peut non seulement faire des hip thrusts que la mère va vous montrer. Voilà, donc évidemment on met la barre au niveau des hanches, voilà, on est sur le dos, pied bien à plat, et là on va faire des relevés de bassin pour le travail des ischios et surtout des fessiers. Nickel. Mais au-delà donc du mouvement de hip thrust, on peut également travailler sur des fentes, on peut travailler sur des crunchs. On peut faire pas mal de choses, on peut également isoler les ischios, il y a de quoi faire. Donc ça vient compléter donc, la salle de cross training que vous connaissez déjà tous, hein. Donc comme on peut le voir, il y a pas mal de matériel, on a équipé encore un peu plus la machine, enfin la salle pardon, par rapport à ce qu'on avait déjà auparavant. Au niveau musculaire, on a ajouté également donc, une presse inclinée, donc là on va travailler évidemment les quadris, les ischios, les mollets également un petit peu, et les fessiers. Super. Donc c'est une machine à charge libre. Ça au niveau des cuisses, c'est, on le ressent tout de suite. Hein. Super. Et dernière nouveauté au niveau muscu, on a deux nouvelles machines, toujours dans la gamme Technogym. Pour les pecs, une pec inclinée et une chaise presse, toujours avec des poids libres. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'on peut travailler aussi unilatéralement, c'est-à-dire qu'on peut dissocier les deux bras si on le souhaite, ou bien on peut travailler en classique, en simultané. Super, nickel. Et la chaise presse, pour terminer. Donc, pour rappel, on vous invite à venir tester ces machines, que vous soyez adhérent ou non adhérent, que vous soyez pratiquant au club Lua ou au club Gazo. Voilà, vous pouvez venir tester gratuitement, ça sera avec un grand plaisir. Super. Et pour terminer, bon ça vous connaissez déjà, mais je vous remontre la salle de biking pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Donc la salle de bike avec les cours virtuels, le vidéoprojecteur et les cours virtuels dans lesquels vous êtes en totale immersion. Donc je vous laisse découvrir tout ça. À très très bientôt. Salut !